Pourquoi tu mets toujours un béret? C'est qui ta meilleure amie? Elle s'appelle comment? Alors, est-ce que tu feras un autre concours Roblox? Quels sont tes deux animaux préférés? Quand vas-tu faire des vidéos sur ta chaîne secondaire, Kara Gamer Girl? Bonjour mes étoiles, bienvenue à Kara Paris. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de Je réponds à vos questions, car vous avez énormément aimé la partie 1 et vous m'avez beaucoup demandé pour une partie 2. Donc la voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première partie, je vous invite à le faire. Peut-être que vous allez trouver votre question et comme ça vous allez en savoir plus sur moi. Avant ça, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de activer la petite cloche de notification. Vous êtes prêts pour faire le check dans 3, 2, 1, tac, tac. Hey, on commence. La première question, c'est comment tu fais pour apprendre une leçon? Alors ça, c'est une bonne question. Ok, donc moi j'utilise des fiches de révision. Vous connaissez sûrement, vous en utilisez sûrement. Et en fait je regarde ma leçon, voilà. Ensuite je surligne tout ce qui est le plus important, les choses vraiment les plus importantes à savoir. Après je prends ma fiche de révision, je note du coup les choses importantes. Comme ça j'ai pas besoin d'aller dans ma grosse leçon avec trop d'informations et tout. Non, je prends ma fiche de révision et j'ai juste à réviser les trucs les plus importants du coup. Et ensuite donc je lis tout, etc. J'essaye de me rappeler des choses. Donc par exemple comment s'appelle tel endroit, du coup je dois essayer de répondre et tout. Après d'un bout de temps, je prends une feuille blanche, simple, voilà. Et je note tout ce que j'ai retenu, vraiment tout ce que je sais. Et ensuite je compare. Donc je prends ma fiche de révision et la feuille où j'ai noté tout ce que j'ai retenu. Et je vois qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je sais en fait déjà. Comme ça, je dois juste réviser la partie manquante, ce que je sais pas. Deuxième question, quels sont tes deux animaux préférés? Alors là, c'est chaud 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 patate parce que tout. Moi, j'adore tous les animaux de la terre. Bon, déjà, le chien, bien évidemment. Moi, j'ai toujours aimé le chien. Enfin, le chien, c'est toujours été mon numéro 1 depuis que je suis toute petite et j'ai jamais eu peur des chiens. Maintenant, j'en ai un, donc je suis très contente parce qu'avant, j'en rêvais d'en avoir un. Et il s'appelle Milo, c'est le boss et vous le connaissez sûrement. Il apparaît dans les vidéos. Deuxième... Là, c'est trop compliqué. Bon, vous savez quoi? On va rester avec première place parce que deuxième place, ça va être sinon dauphin, panda, hamster, nanana, nounou, ting ton tang ting groui. Non, ça va être trop de trucs. Donc voilà, on va faire rester avec première place. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez savoir que mon premier animal, ça a été un hamster. Elle s'appelait Princesse. Mais malheureusement, elle n'est plus là. Mais en fait, c'est parce que les hamsters ne durent pas très longtemps. Donc ça, c'est triste. Mais elle était vraiment cool. C'était une princesse. Elle avait en plus son château royal. Mais elle avait un truc de 3 étages sous sa cage. Elle était vraiment très stylée avec des toboggans et tout. Bref, donc je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais sinon, voilà. Donc la première place, c'est les chiens. Question suivante. Alors, est-ce que tu feras un autre concours Roblox? Alors déjà en fait pour ceux qui ne savent pas, j'ai un groupe Roblox qui s'appelle Kara Gamer Girl. Quand je l'ai créé c'était en 2021, mais ça passe trop vite, waouh. Là cette année ça va faire 2 ans, mais c'est pas possible. Bref, merci énormément à tous ceux qui ont rejoint mon groupe. Il a vraiment tellement évolué au fur et à mesure du temps. Et voilà, là je fais plein de choses, je fais des concours et tout. Je vous réponds en fait si vous avez des questions là même sur Roblox, vous pouvez me demander. J'essaie de répondre un peu à tout le monde, c'est pas facile tout le temps parce qu'il y a trop de personnes qui mettent des commentaires un peu au même temps. Du coup moi je suis là, ouais j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. Mais voilà, j'essaie vraiment de répondre un petit peu au maximum. Le prochain concours sera le mois prochain. Ça sera pour le jour de l'amour et de l'amitié, donc la Saint-Valentin. Et puis mon compte Roblox c'est Princess Peach 2020. D'ailleurs je dois changer le nom d'utilisateur parce que... Je l'ai nommé comme ça, c'était en 2019 en fait, ça date. Et j'étais avec mes cousines, c'est mes cousines qui m'ont montré Roblox. Et voilà, j'ai créé un compte comme ça au hasard. Et après j'ai commencé à jouer à Dopmi et à me mettre à fond dans le jeu. Sauf que, je sais pas comment j'ai perdu le compte. J'étais trop triste, mais un an après j'ai retrouvé le compte. Enfin, c'est ma maman qui l'a trouvé et du coup elle m'a dit: ah mais attends, on a les mots de passe et tout, on a tout. Du coup on s'est connecté et oui c'était bien le même compte.
quand on est rentré sur AdoptMe, j'avais déjà ma maison décorée, des quelques pets, j'avais déjà commencé, mon personnage il était déjà habillé, voilà, donc... Mais c'est fou que je l'ai retrouvé un an après, et mais par contre, la date, elle est mauvaise, parce qu'ils ont mis en mode j'ai commencé en 2020, alors que c'est faux, il date de 2019, mais bon... Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, voilà, c'est ça mon compte. Et par contre, pour changer le nom d'utilisateur, il faut payer beaucoup de Robux. Et ça, c'est pas possible. Oh, genre environ peut-être 800, je sais pas, mais c'est trop cher. Hein. Wow, on va se calmer. Voilà. Après, tu préfères McDo, KFC ou Burger King? Bon, pour être honnête, je mange pas. Trop de fast food, c'est rare. Le seul vraiment fast food que je mange, c'est Subway. On mange ça souvent parce que, enfin, je sais pas, enfin, c'est pratique et tout. Et puis ce que je demande, c'est rien de, voilà, de avec trop gras. Enfin, je demande pas des trucs gras, tu vois. En plus, tu peux plutôt sélectionner tout ce que tu veux et tout. Et moi, je mets à l'intérieur de la tomate, de la salade, du concombre, des olives noires, du maïs. Je mets plein de choses. Donc voilà, il y a une différence quand même. Et puis la dernière fois que j'ai mangé un fast food, c'était peut-être il y a 2 semaines, parce que oui, c'était Burger King, parce que bah on était juste à côté, on voulait manger un truc rapide et des fois c'est bon quand même d'en manger, hein, j'ai pas dit que j'aimais pas, hein. Et voilà, du coup on est parti là-bas. Mais moi je suis plus genre sushi, ramen, moi j'aime plus ce genre de choses. Mais surtout les sushis, c'est mon plat préféré. Mais bon, si je dois choisir entre les trois, je dirais Burger King, parce que il y a pas longtemps j'ai testé. Et puis j'aime beaucoup comment ils font la viande, genre la cuisson. Enfin, ils sont très forts pour faire la viande. Et le burger, bah j'aime bien. Je me suis bien régalée. Et en plus, bah j'ai pas eu mal au ventre après ça, donc c'est bien. Voilà. Next question. C'est qui ta meilleure amie? Elle s'appelle comment? Alors j'en ai plusieurs. Déjà il y a Anaïs, Lana, April, Angie et Bianca. Voilà. Ensuite, quel est le personnage que tu détestes le plus dans Naruto? Alors c'est Danzo, j'arrive pas à l'aimer du tout. Non, enfin il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas et moi je comprends. C'est un peu difficile de l'aimer, en plus il voulait toujours être trop caillé, essayer toujours de genre pousser les autres pour que ça soit lui, pour dire non mais lui il a fait ça, elle a fait ça et tout, genre choisissez-moi, mais personne voulait que tu sois okay en fait. Mais bref, il m'énervait trop, du coup bon voilà, je l'aime pas du tout, vous avez compris. Pourquoi tu mets toujours un béret? C'est car j'aime bien, et puis quand je sors je regarde s'il y a des petites nouveautés, des couleurs que je n'ai pas encore. J'ai déjà une grande collection de bérets. Mais il y a des couleurs que je n'ai pas encore. Et puis je peux les assortir à mes tenues, vous voyez. Donc marron, marron. On continue. Tu connais combien d'animés? Alors là c'est une question vraiment très difficile. Je sais pas combien exactement, mais peut-être 40-45. Il y en a plein que je connais que je n'ai pas encore regardé. Mais voilà, je les connais et je vais bien évidemment les regarder très prochainement. Donc je vais dire peut-être 45. Dernière question, quand vas-tu faire des vidéos sur ta chaîne secondaire Kara Gamer Girl? Alors en fait ça a été très difficile parce que j'avais beaucoup de devoirs, beaucoup d'activités, de choses à faire, donc c'était pas facile. J'avais pas le temps en fait de pouvoir filmer des vidéos Roblox. Mais normalement cette année on va voir si ça sera possible. Je pense pas le mois prochain, mais peut-être le mois d'après, on verra. On vous tient en fait au courant dans nos réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Instagram, peut-être bah, quand on aura TikTok, sur TikTok. Et voilà, comme ça vous serez bien informés. Et puis oui aussi je vais vous informer sur Roblox, donc sur mon groupe Kara Gamer Girl. C'est le moment de la dédicace et les personnes sont Tasnim et Rihanna. Merci pour regarder nos vidéos et partager. On vous fait plein de gros bisous. Car 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 câlin câlin câlin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.